Allô, allô? Ah, ok. Ça a l'air de fonctionner là. Et le jeu? Et du son? Ok. Allô, allô? Ah, ok. Ça a l'air de fonctionner Est-ce que là. le jeu est pas trop Et fort le là? jeu? Et du son? Bon. Allô, allô? Ah, Tu rends un petit ok. Est-ce peu? que le jeu est pas trop fort là? Hmm. Un petit peu. Ok, ça a l'air d'aller. Ouais, donc problème de son. Je disais donc. Salut, c'est Phil pour Factor News. Aujourd'hui, donc tu connais, on va regarder My Friend Pedro. Un jeu développé par Dead Toast Entertainment. J'ai jamais entendu parler. Des nouveaux, je sais pas, édité par Devolver, Devolver Digital, donc on les connaît. Donc c'est un platformer action, donc vue de profil, avec une action assez inspirée de Max Payne. Donc avec du bullet time, de flingue, on peut viser deux cibles en même temps. Et puis c'est un balai de tir. Donc au niveau du gameplay, on va voir que ça fait penser à un mix entre Max Payne et Hotline Miami, on va dire. Ok. Donc il y a un scénar qui est que ce bonhomme-là, je sais pas, on se retrouve capturé par des gus, je ne sais pas quoi. Bonhomme a un petit peu un pet au casque. Et donc l'ami Pedro éponyme, eh ben, c'est une banane qui est là pour l'aider à s'enfuir en fait un petit peu de cette misère et lui apprend des mouvements. Donc ça bouge pas trop mal, ça. Les sauts flottent un petit peu, mais c'est fait exprès, j'imagine. Donc on peut sauter, on peut ralentir le temps. Lorsqu'on saute en ralentissant le temps, on fait des petites roulades. Donc on voit que ça consomme une jauge en bas à gauche, là, qui se recharge progressivement. Quand on est accroupi, voilà, on peut faire des roulades. Alors les roulades sont un petit peu bizarres, je trouve, parce que ça fait roulade à la Metroid. Donc le perso est baissé et quand il roule, il est tout petit. Voilà, mais l'idée c'est que on peut tirer un peu partout. Et puis on a. Voilà, comme ça, on peut faire. Ouh! Et ça permet d'esquiver les balles, de tournicoter comme ça. On peut le faire en l'air aussi. Hop là, ça fait des belles vrilles comme ça. Et puis il y a du wall jump. Ouh! Voilà. Ok. Donc mes pistolets là ont des munitions infinies. Celle-là en tout cas. Donc avec L, je joue à la manette, je peux loquer. Et voilà, et je peux loquer un ennemi. Enfin, je peux loquer une direction. Donc là, hop. Et puis continuer à viser une autre. Hop là. Là, je me suis fait toucher. Mais c'est pas très grave. On voit que tant que j'ai pas déçu, tant que j'ai pas perdu en fait un carré complet, ça remonte. Et puis l'idée normalement c'est de faire du scoring, hein, c'est-à-dire faire des combos avec des figures bah, pour avoir plus de score tout simplement. Petit puzzle vite fait. On a vu que je peux donner des coups de pied, on va essayer de voir ça.
Salut. Bim. Peux esquiver les balles avec LB. Ouh. Voilà, fin du niveau. Salut Tezus. Voilà, donc là ça fait un bout de temps que je peux jouer. J'ai pas fait trop de figures, donc c'est pas top. J'ai tué tout le monde, je ne suis pas mort. Comme j'ai pris un peu de temps, en fait, le compteur de combo n'a pas monté beaucoup. Et donc il y a automatiquement un ralenti des meilleurs. Enfin, d'un best-of de ce que j'ai fait. Donc c'est le seul moment où j'ai utilisé du ralenti. On peut l'enregistrer sous forme de GIF. Ce qui est pas mal pour pouvoir les poster ensuite. Quelque part, quoi. Ou les sur Twitter. Alors, Mitch le boucher. Hop là. Hop là. Jump kill. Ouais, donc là par exemple, je roule. Je prends pas autre place quand je roule. Bim, coup de pied. Donc faut pas hésiter user et abuser du bullet time, ça se recharge très vite. Metroid, ouais, c'est exactement ce que je disais, hein. C'est quand je pue en boule, c'est vraiment la boule de Metroid, quoi. Donc ça m'a fait bizarre quoi, le bullet, il a l'air de faire une taille normale, hein, voilà. Je fais la taille du frigo. Et puis quand je suis accroupi, encore ça va, moitié. Mais alors quand je suis en boule, c'est bizarre. Je trouve ça bizarre. J'avoue que c'est un truc dont je suis pas foufou là, mais bon. Soit. Ok, y a du monde là. Voilà, split aim avec LT. Oula, je me fais pas mal toucher là. Ah, c'est pas grave. Je n'utilise pas assez le bouton pour esquiver les balles aussi. Bon, bah la vie, je la récupérerai plus tard. À moi la vie. Ah bah non, c'était bien ça que je devais faire. Flip, ah oui, tu peux. Flip la table. Se cacher derrière.
Les contrôles, c'est... Faut prendre le coup de main. Ça va, ça passe bien. Split kill. Allez. Ah bah ici, je rechargeais mes munitions avant aussi. Oula. Ah oui, mais faut peut-être que je... J'esquive les balles aussi. J'ai quand même réussi à faire un 10 combo là. 13. Ouais, donc faut pas hésiter à spammer, enfin spammer, à combiner un paquet de trucs quoi. Eh, c'était quand même mieux hein, au final. Ploum ploum ploum. Alors. Ah, ma vie est pas remontée entièrement en plus. Donc les flingues sont pas hyper précis, hein, c'est... Faut s'en rendre compte quand même. Il y a du recul et tout, je sais pas quoi là, mais... Ça suffit. Je peux kicker dedans? Non. Oh, nouvelle arme. Par contre, j'en ai qu'une et j'ai des munitions limitées. Comment je change d'arme? Je ne sais pas. Regardons vite fait. Viser, se déplacer, s'accroupir, dodge, focus, interact, kick fire, second eye fire, change weapon. Oh. Oh, gauche, droite. D'accord. Oui, d'ailleurs, je peux choisir d'avoir qu'un seul flingue si je veux. Ah mince, je fais du bruit. Donc, j'ai pas encore les doubles machins là. Ça viendra, je pense. Eh ben. C'est mieux quand il y en a deux. Hein. D'accord, donc quand je tourne, par défaut, je vais tourner, tirer autour de moi. Ça, c'est bon à savoir. Tiens, prends-toi un coup de pied. Donc je peux pas juste me permettre d'esquiver non-stop et tirer et espérer que ça vise où je veux. Ça tire partout. Enfin, ça tire autour de moi. Mais c'est pratique s'il y a des ennemis autour de moi. Ok. Ah, il s'est pris le baril sur la tête. Très bien. Là j'ai les deux et j'ai les deux. Eh ben, difficile. J'ai l'impression que le fait de faire un kill remonte ma jauge de trucs là. Coucou. Ouais, j'ai l'impression que ça remonte. Non? Ouais, ça remonte. Hein. Handsome.
Yahoo! Tournicoton! Tiens, un coup de pied. Allez, recharge et tire. Ouais, ben. Ouais, quand le rythme est bien, ça passe bien, quoi. Pour un de ces niveaux, selon GK, après le premier boss, ça devient nul. Ah bon. Non, on verra. Peut-être sera le cas. On va dire que c'est pas nécessairement la science infuse, hein. Ok, on va voir ça. Debout. C'est pas comme si le level design était complètement fou, donc c'est mignon, quoi. On va voir ce que ça va donner par la suite, effectivement. Encore faut-il déjà que j'arrive à passer le premier boss. On n'y est pas encore. J'y arrive. C'est bof, hein? Ah, c'est pas grave. Donc ouais, quand on roule, on peut pas tirer. Donc c'est un peu nul, ça, comme gif, mais... C'est pas bien grave. Alors le seul truc c'est que le tout début, donc on a la banane qui nous explique les mouvements, ça sert de tuto, c'est un petit peu verbeux. Alors je comprends qu'il faut expliquer les mécaniques et tout, mais... Bon. Oh, c'est nouveau ça. Ah d'accord. Du coup, on va jeter un œil après ce premier niveau, puisque je suis curieux de voir ce que ça donne. Le banane, c'est quelque chose de très spécial. Ouais, bah ouais, c'est ça, au niveau de la banane, je suis pas... Je vois là pourquoi c'est là, mais c'est pas foufou, quoi. Ils auraient pu faire sans, ça aurait pas été dramatique. Coucou. Alors je sais pas comment ça, ce que ça donne clavier souris, puisque moi je joue à la manette. La manette c'est très jouable, hein, y a pas de souci. Ah ouais d'accord. Intéressant. Sympa. Ouais, effectivement, on verra le level design. En tout cas, pour l'instant, le level design est plutôt sympa.
Ça, j'aime. Bon, il est très fun ce niveau en tout cas. Ah, encore un autre truc qui va arriver derrière. D'accord. On va voir ma foi. Comment je suis entré là-dedans, moi? Ouais, bref, je peux extraper ça. Hein. Hop. Ah, je vois. Hop, hop. Bon, jusque-là, très sympa. Donc, effectivement, on va voir ce que ça va donner par la suite. Après, j'ai pas joué peut-être leur testeur qui est peut-être nul. Non, mais c'est pas une question de d'être bon ou mauvais. Je veux dire, tu peux être très bon et puis ne pas aimer certains niveaux, comme tu peux être très mauvais et apprécier des niveaux. Hein. Moi, je suis pas très bon, mais c'est vrai que genre le niveau de la banane pour l'instant, j'ai vu, je raffole pas quoi. Bon, on va voir. Spoil, je sais pas si on peut parler de spoil parce que je t'avoue que le peu de scénar que j'ai vu jusqu'à présent, c'est pas comme si c'était hyper intéressant. Enfin, c'est pas le genre de jeu auquel tu joues pour le scénar, quoi. En tout cas, pas moi. C'est. Je veux dire, Hotline Miami, il y a un scénar et il est intéressant, mais. Enfin, c'est pas pour ça que tu joues. C'est pas pour ça que tu joues Hotline Miami, quoi. Je peux faire quelque chose avec ça? You can carry on this hoop. Ah bah voilà. C'est facile si je fais un facile. Si j'ai ça. Bravo. Bah bravo. Ça, c'était du spoil. Ça c'est rigolo ça. Bizarre que je puisse pas kicker les portes. Mais... Chandelier, tout ça. Bah, je suis passé où là? Pour m'accrocher au... Voilà. Hop, hop, hop. Je n'ai pas l'impression par contre qu'il y ait genre de secret ou de truc comme ça. Dans les roubignoles. Ah, mais il est pas mort, lui. Sérieusement. Tiens. C'est pas comme ça qu'on joue au basket. Bon. Après, tu vas me dire que tu peux pas avoir d'amis bananes.
C'est un peu trash ça. Oups. Il est pas mort lui. Yahoo! Tiens, prends-toi ça. Oh, c'est rigolo. En tout cas, pour l'instant, ça va. Oh, qu'est-ce que je fais là, moi? Où est-ce que je suis? Ah d'accord. Hop là, Metroid style. Allez, puis on passe de l'autre côté du coup. Fin du niveau. Éliminer les enfants. Ouais, c'était pas foufou ça. Hein. Je sais pas si un boss sera très intéressant en plus. Ma foi, on verra. Ouf. Nice to meet you. Ça va être le bordel là-dedans. Coucou! Bim! Ah, c'était pas mal ça. Coucou! Nom d'une banane. Il y en a du monde ici. Voilà. Tranquille. Il y a quand même moyen de faire des trucs un petit peu sympas à regarder. Kick, tu peux kicker la table une fois que tu l'as. Ah non, il y avait un couteau. Dans les fesses. Oula. Il va se passer un truc là-bas. Ah oui, j'ai dû tirer sur un petit baril. Explosif. Coucou, tu vois, ma banane. Arrêtez, c'est pas possible. Je ne vous félicite pas. Hein. C'est quoi ça? Un couteau? Ah non, je suis à fond en munitions. D'accord. Attention. Oh, c'est dommage. Ça aurait été joli ça. Bah, vas-y, touche-le.
Ah, dommage. Ouais, il y a moyen de faire des trucs sympas. Je pense. Bon, les munitions, ça va du coup. Et qui joue au foot, il vient de faire ah, le couteau dans les fesses. Ah, oh, mais oui, mais c'est rigolo ça! Eh oh! Metroid style. Qu'est-ce que. Oh! Vous l'avez vu la physique là? Oh, c'était beau ça. Je crois que je peux sortir dehors quand même, non? Non. Non, je peux pas. Ouais, on peut jouer un peu basique comme ça aussi. Ça marche aussi, mais c'est ça donne moins de points. Il est loin, ce boss, du coup, là. Punch. Dalgo, là, qui choisit les temps forts, c'est pas forcément le... C'est pas forcément le meilleur, hein, mais bon. Mystery Meat. Ah, là, voilà le Butcher. Ah oui, c'est ça, je devais être capturé pour bah, devenir de la saucisse, quoi. Une moto? Deux meatbags. Putain. Les mecs, quoi. Oula. D'accord. Ok, c'est différent. Qu'est-ce qu'on peut faire là? On peut faire un wheelie, ok. Nice, on peut sauter! Eh hey, mais... Une moto fait du wheelie qui saute. Moi j'ai grandi avec Tonnerre Mécanique, hein, ça me parle. Ouais, c'est mignon. Honnêtement, ça change un petit peu le rythme. C'est sympa. Tant qu'ils en abusent pas trop, je trouve que ça passe bien. Par contre, je peux pas esquiver les balles, mais bon. Suffit d'aller de haut en bas, hein, globalement. Et je suis passé au flingue parce que j'ai pas l'impression que... Ah bah voilà, qu'est-ce que je disais, justement. J'ai l'impression de pas dropper de munitions, mais en fait, si, je viens d'en dropper à l'instant. Ok, bah s'il y a des munitions... Ça serait pas Mitch le boucher! Ah, c'est bizarre de faire un boss en moto, mais... Ma foi, pourquoi pas. Oula! Attends, ces machins, ça me lock comment là? Ah d'accord, je suis censé tirer dessus. Ça explique. Enfin, ça explique. Ça explique pas vraiment la physique du truc, mais d'un point de vue gameplay, on va dire que... On va valider le truc, quoi. Tu vas payer pour ce que t'as fait à mon restaurant. Mec, t'allais me charcuter pour me transformer en saucisse. Ouais, le super JPEG de fond, effectivement. Attends, hé. Hey.
C'est du cube map de qualité, hein. Le truc qui floupe. District nul. Bon, c'était sympa le niveau en moto, là. Ah bah dis donc, là, le rating, il est super de la mort, hein. Alors que j'ai rien fait de fou. C'est Noël? Bon, s'il y a deux ou trois niveaux en moto dans tout le jeu, ça devrait aller quoi. Donc là, par contre, on va repasser au petit flingue parce que. Ça va être intéressant, Christmas party. Note. Oh, quel humour! Ok. Méga chose. Ah, chut! Bien sûr, quoi. Moi, je suis sûr que je peux les shooter. Non? J'ai pas l'option de tirer. Ah, c'était une cinématique. Ok. Les musiques sont pas si mal. C'est pas si mal. Elles font plutôt bien le travail. Ok, le coup des leviers. Ça va, ça fonctionne. Comment je monte? Puzzle! Ah, bah, il est sûr que ça marche que dans un sens. C'est logique. Ah, sérieusement, j'ai des jambes trop courtes. Oh, je l'ai vu le trou, mais je veux de la vie d'abord. Ah. Je peux pas ramasser l'autre, forcément. Oula. D'accord. Ah oh, d'accord. Coucou. Bon, c'est mignon comme puzzle. Des petits puzzles. Hop là. Impeccable. Ah oui, d'accord. Non mais j'ai vu bien pire. Là, ça franchement, ça va quoi.
si ça c'est la purge, pour l'instant moi ça va, je trouve que c'est. Au contraire, il y a de nouvelles mécaniques là qui sont pas dégueu. Après le layout de base c'est toujours avec les espèces. Enfin tu sens que l'éditeur du niveau là il gère des carrés. Enfin des carrés. La surface de base, là c'est. La longueur de base c'est ça, puis tu fais tes layouts avec, quoi. Alors soit c'est solide, soit ça laisse passer les balles, et puis. Puis voilà quoi. Yeah. Did you say something? Bah non, j'ai rien dit. Ah mince, j'ai pas eu quitter là. Coucou. Bim. Ah, y a pas quelque chose dans la caisse? Fin du niveau. Ok. Eh, je me fais un meilleur score là. Oh, eh. Bananas. Les papiers, on les papiers. Buy stuff. Après, ce qui est sûr, c'est que là, on est dans un environnement différent. Donc là, c'est des trucs un peu tout cassés. Ouais, c'est visuellement, le fond est pas très très intéressant, mais ça reste différent du premier. Là, on était en ville et tout, quoi. Donc, ma foi, on va voir. Hein. On va voir ce que ça offre pour la suite. Merci, ouais, ça va, c'était pas trop compliqué, donc. Coucou! J'aime bien les machins là, les. Que tu te balances. Salut! Too cool for school! On se balance! Oh, j'aime ça moi! C'est sympa. Waouh, je suis un peu short là. Yahoo. Did you say something? Mec! T'as pas entendu les grosses explosions et puis t'as perçu des morceaux de cervelle de ton pote dans la bouche là? C'est. Ah, j'aime bien justement ce petit balai de. Ce balai de tir là. Essayer de faire des trucs un petit peu sympas là. Quand il y a du flow, quand on est dans le flow, je trouve que ça passe plutôt bien quoi. D'accord. Oh, tu peux faire ricocher tes balles sur la poêle. C'est fantastique.
fandard, ça. Oh, c'est génial ça. 100% réaliste, j'aime ça moi. Prouch. Ouais, t'as quand même pas mal d'outils à ta disposition et puis il y a moyen de s'amuser avec. Ok. Hop là. Ah, sûr qu'un nouveau Max Payne serait pas mal. Hein. Là, en fait, ce qui est vraiment sympa, donc évidemment le décor il est un peu dégueu, hein, mais ce qui est vraiment sympa à jouer, c'est quand on arrive à avoir un petit peu de flow, donc on arrive à rester en mouvement et puis juste à avancer, dégommer plein d'ennemis sans s'arrêter. Ça, c'est assez grisant, quoi. C'est vrai que quand on s'arrête, si on s'arrête, on tire, on doit faire des trucs tout le temps, là, ça casse le rythme. Mais si on arrive à garder un rythme un peu constant, là, ça passe vraiment bien, quoi. Nouveau le ricochet. Non, puis les mécaniques sont bien expliquées. Pour le coup, le côté tuto marche bien, hein, où t'as vraiment. T'as les leviers qui sont expliqués, là t'as le truc des ricochets, si t'avais vu le. Si tu connaissais, t'avais la poêle qui te servait à ça. Voilà, en plus les ricochets sont auto-aim, donc c'est génial quoi. Là. Oh là là, le double ricochet quoi. Alors oui, là j'ai rien eu besoin de faire, mais c'est bien présenté. Bim. Nice, nice, nice. Alors, on esquive les balles. Ricochet. Plus la visibilité est bien faite, c'est-à-dire que la caméra gère assez bien, donc bon, elle est devant toi. Ton perso il est pas centré, donc tu vois quand même, tu peux facilement en fait l'avancer un peu pour voir ce qu'il y a devant. T'es rarement en train de te faire, en tout cas pour l'instant, t'es rarement en train de te faire tirer en dehors de l'écran par exemple, ce qui serait super frustrant. C'est génial ça.
Quadruple ricochet là. Tiens, on va passer au Uzi parce que je pense que je dois être full bientôt là. Je crois que j'ai eu tout le monde. Sais même pas comment il s'appelle le protagoniste. Je sais pas s'il a un nom. Bananas! Ouais, bon, là c'était. Le juge sur le truc, quand même pas très compliqué. Mais je crois que ça a donné beaucoup de points, peut-être pour ça. Il doit prendre la partie qui donne le plus de points. Où j'ai fait le plus de points dans le niveau. D'accord. Oula. Shotgun. Ouf. Double shotgun? Non. Coucou. Split splat. Par contre, ça fait des chunks, ça c'est intéressant. Coucou. Ah, tu peux pas. Bah oui, tu peux pas lock avec Alt puisque t'as qu'une seule cible. Oh là, c'est violent quand même. Oh là là. Ah, et j'aurais pu faire le ricochet en plus. Pff. Ok. Alors, on va prendre un, hein, parce que. Coucou. Tu peux mourir toi? Tiens. Ah, c'est vrai qu'il faut le recharger de temps en temps quand même, le machin. Coucou. Tu es à fond. Bah profitons-en alors. Mon baril. Bah ouais. Je sais pas. Je trouve ça plutôt pas mal pour l'instant le level design, c'est pas. C'est du même niveau que le qu'avant. Au contraire, il y a des trucs en plus là. Donc... Ah, j'aurais pu lui tirer bim dans la tête, ça aurait été rigolo. Ouch, j'aurais pu tourner là.
Coucou. Ouais, ça va. Si je me prends des petits plombs de loin, ça fait pas trop de dégâts. Comme eux d'ailleurs. C'est pas en train de devenir trop facile? Bah, je sais pas. C'était pas spécialement difficile avant. En fait, j'avais un peu plus de mal au début parce que j'avais pas les contrôles en main. Là, je suis un peu plus à l'aise avec les contrôles, donc il y a de ça. Après, on est d'accord que les plaques qui permettent de ricocher, ça facilite beaucoup. Mais là, j'en ai eu beaucoup moins qu'avant. Est-ce qu'il y a des difficultés? Je suis en normal là, donc j'imagine qu'on peut. Ça peut être. Pardon, beaucoup plus difficile. Avec, j'imagine. Je crois qu'il y a un mode où tu crèves en un coup, quoi. Si tu veux jouer en mode. Violent, mais bon, moi c'est pas trop mon but pour l'instant. On regardera vite fait après, quoi. On va faire encore un tout petit peu, et puis. On va dire ce niveau là. Oh, un skate! Yes! Non mais moi j'aime bien, tu vois, il y a des nouveaux trucs à quasiment à chaque niveau en fait. Dinner time. Oh, c'est rigolo quoi. C'est bien barré quoi. Bim, c'est classe ça, non? Le truc est vraiment. Enfin, tu peux pas trop le rater, mais c'est ça passe bien, quoi. Ouais, je trouve que ça passe bien. Un skate! Je peux sauter avec. Oh là 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 là. Là, les possibilités de machin là. Bim! C'était sympa ça. Bonkers. Ah, c'était pas de banana cette fois-ci. Bim. Ouais, et sans ralenti, avec le ralenti, à mon avis, il y a moyen de. D'être encore plus pépère. Allez, on va faire celui-là encore. Dental Benefit. Y a rien dans les caisses en fait, je crois. Je sais pas pourquoi je perds mon temps. Donc le shotgun est très puissant, mais pour compenser, il n'y a pas d'auto-aim avec. Enfin, non, c'est pas qu'il n'y a pas d'auto-aim, il n'y a pas le split aim qui lui lock tout seul.
J'ai une idée. Ah, presque. Presque. Oups. Ça, par contre, c'était pas top top. Mais... La poêle, c'est excellent. Génial. Je ne sais pas combien il y a d'armes en tout dans le jeu, mais rien que s'il y a déjà ça, c'est déjà pas mal. Taïo! Oh zut. Ah, ça va, j'ai cru que j'avais cassé ma planche. Y a pas moyen que j'amène le skate avec moi là? Ouais, je pense pas. Où je passe là. Coucou. Oula, oula, ça part bon ça. Ok. Et la fin du niveau. Voilà. Très bien. C'est ça, là, je commence à prendre. Au bout de quelques niveaux, tu commences à prendre le flow là. Alors, on est d'accord que niveau score, je suis pas là, hein, mais. Ça passe quand même bien. Voilà. Ok, on va jeter un œil vite fait aux options. Pour voir, mais là, je pense qu'on a fait. On va faire un petit peu le tour. Hard bananas. Bon, y a pas des masses d'options à ce niveau-là. Hein, mais... Si je fais un new game, ah voilà, on va voir la différence. Donc la vie se recharge partiellement, normal reaction time. Ils font plus de dégâts, plus précis. Pas dit qu'ils se rechargent. Ok, donc je peux quand même faire toucher plusieurs fois, mais la vie ne remonte pas. Pas de dodge assistance. C'est quoi le dodge assistance? Voilà, donc c'est effectivement pour l'instant c'est facile. C'est cool, mais si on veut plus de challenge, c'est possible. Et donc là, d'accord, il y avait 8 niveaux dans le premier chapitre. Et là, je suis... D'accord, 9. Ah bah c'est bien, tu peux le voir avant, quoi. Bah là, le district nul était bien. Je trouvais ça chouette. Ah, après on a le Pedro's World, effectivement le monde banane, là. Après, s'il n'y a que 4 niveaux, au moins ça passe assez vite, quoi. Puis des égouts, internet, la fin. Bah ça va. Pour l'instant ça va. C'est peut-être effectivement là que c'est moins intéressant. Et encore. Mais là le level design je trouvais ça plutôt sympa avec les tyroliennes, avec les trucs à... Les plaques là pour les ricochets.
Le skate, je trouve ça sympa. Bon, enfin. Mais je dirais que ça a permis de se faire une petite idée là, si ça peut vous intéresser. On va arrêter là. Merci et à bientôt.